suis désolé, mais il me semble qu'il y a un problème avec vos papiers. Quel était le souci avec mon passeport? Nous avons trouvé un autre Paul Dédalus. Alors, qui es-tu? Je ne sais plus. Je me souviens. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Je cultive mon mystère. Mystérieux, tu parles. Tu veux t'inscrire sur la liste d'attente? Tu t'appelles Esther et t'es dans la classe de ma sœur. Paul, j'arrête pas de te manger des yeux. Tu fais toujours cet effet-là. Pourquoi? Parce que je suis exceptionnelle. C'est qui son type? Tu le connais? Non. Tu veux que je te raccompagne? Ils sont venus pour te casser la gueule. Ils sortent avec Esther. Désolé, mais je crois que t'es bientôt lourdé, toi. Je crois que tu l'agaces. Même moi, on se connaît pas et déjà, tu m'agaces un peu. Tout est effacé. Sinon, 3-4 bribes. Je veux pas d'un fainéant dans ma maison. Ne me rapporte pas de telles notes. Est-ce que quelqu'un t'a déjà aimé plus que sa vie? Moi, je voudrais t'aimer comme ça. Je veux pas que tu partes. Je vais étouffer. J'étouffe. Esther, tu existes tellement fort, comme une montagne. Si tu existes, ça veut dire que je ne suis pas enfermé dans un rêve. Je crois que j'ai un peu merdé avec Esther. Comment ça? Je crois qu'on a un peu couché ensemble. Oh non! Tu t'installes dans ma chambre? Tu couches avec ma femme? Eh, ne t'en fais pas, elle aime que toi. Je l'ai désiré. Et je crois qu'Esther aussi, à sa manière, a désiré que notre liaison ne connaisse jamais de fin. Maintenant, elle est avec moi. Et les règles du jeu ont changé. Un jour, j'ai donné mon identité. Je sais plus si je suis le bon. Moi, je sais que t'es bien le vrai. Je confirme. Je me souviens.